pension des sapeurs-pompiers a pu circonscrire les flammes. L'état des lieux au lendemain de cet incendie se fait dans ce journal. Et puis, à l'étranger, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud reçoit ses premières doses de vaccin contre le coronavirus. Une cargaison transportant 1 million de doses du vaccin AstraZeneca s'est posée à Johannesburg le lundi 1er février sous le regard méticuleux du président de la République, Cyril Ramaphosa. Voilà pour l'essentiel, les détails dans un moment. Merci de nous accorder votre préférence. Parlons donc de cet incendie survenu hier dans début de soirée dans un dépôt de planches au quartier Équier, non loin du supermarché Carrefour, avec à la clé d'importants dégâts matériels. La fureur des flammes a pu être maîtrisée par les sapeurs-pompiers. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, l'on relève que la coupure d'électricité survenue à la suite de cet incendie a paralysé le quartier Équier, Ekounou et Vogada. Retrouvons donc immédiatement Ambroise Awono qui est actuellement sur le site de cet incendie, de ce sinistre enregistré hier aux environs de 21h au quartier Équier. Au lendemain de cet incendie, Ambroise Awono, vous qui êtes actuellement sur le site, quelle est l'ambiance qui se vit là-bas actuellement? Si vous êtes en ligne, vous prenez l'antenne. Ambroise Awono. Écoutez, Donald Anuzoa, voici ce qui reste de cet incendie survenu hier aux environs de 21h ici au quartier qui est dans la métropole camerounaise Yaoundé. Les commerçants présents, comme vous pouvez le voir derrière moi, sont en train de sauver ce qui peut encore l'être. On parle alors environ d'une trentaine de comptoirs de bois partis en fumée au cours de cet incendie. Ajouté à ces 30 comptoirs, une voiture qui était stationnée n'a pas résisté à la violence des flammes. Nous allons vers le propriétaire de cette voiture qui va nous expliquer les raisons fondamentales. Qu'est-ce qui s'est passé réellement alors que vous avez stoppé votre voiture, vous avez stationné votre voiture hier? Ok, réellement, ce sont nos biens qui ont brûlé. Ça s'est consumé dans les flammes, là où vous voyez là. Ça, c'est des ateliers de menuiserie équipés, bien équipés, comme vous voyez. Si vous pouvez faire le constat en regardant toutes les machines là, voilà une unité de production intense de lambris. On appelle ça la quatre faces, à l'ordre de 26 millions comme ça qui s'est consumé. Voilà les véhicules, voilà ma pick-up qui était là, ça s'est consumé. Nous sommes au moins ce nombreux que tous les machines, tous nos biens se sont consumés dans ce feu. Mais je profite pour accuser la SONEL, parce qu'il faut dire la vérité. Ce feu est venu de la SONEL. La SONEL est venue nous imposer des compteurs. Ils appellent ça des compteurs intelligents. C'est des compteurs qui ne s'arrêtent pas. Ça veut dire que quand ça entame à se brûler, il n'y a pas moyen d'appuyer le disjoncteur. Ça n'a pas de disjoncteur. Et il reste à Douala. Il déclenche ce compteur ici. Ça veut dire qu'il nous suivait à partir de Douala. Alors, si c'était des compteurs avant, on aurait pu arrêter ça. On n'a pas pu éteindre le feu à cause de la SONEL. Donc la SONEL, on croit qu'il doit nous dédommager. Comme bon nombre de personnes, ce n'est pas les seuls ateliers. Dernièrement, on a eu aussi un incendie de l'autre côté, toujours à cause de la SONEL. C'est toujours un compteur qui s'est brûlé. Donc c'est un compteur que la SONEL est en train d'imposer aux gens. Ils appellent ça les compteurs intelligents. Oui, ils actionnent ça à distance. Votre voiture était stationnée à 21h. Ma voiture était stationnée devant mon atelier. C'était stationné là, une pick-up. C'était stationné, ça s'est consumé. Ça s'est consumé dans le feu. Là, vous voyez là. Alors, le brasier, comme vous pouvez l'écouter, était d'une intensité. Va au-delà de ces boutiques, va brûler 3 scieries, 2 restaurants. À l'origine, on parle, vous venez de l'écouter, des compteurs intelligents de la société en charge de distribution de l'énergie au Cameroun. Les victimes, il y a un autre camp qui parle également du trafic de courant dans la fameuse nuit d'hier, celle qui sera fatale. L'ambiance est morose, comme vous pouvez le voir sur les yeux de ces commerçants qui voient le sacrifice de toute une vie partir en fumée. Au lieu du sinistre, je suis Ambroise Awono, Iglis Nembot, pour BNews Télévision.
C'était donc Ambroise Awono en direct du site sinistré hier par cet incendie survenu au quartier Équier, à quelques mètres du supermarché Carrefour. La suite du journal, nous parlons du secteur de l'agriculture. On parle donc de la transformation locale du cacao de ce côté. Le sujet était au centre d'une audience accordée hier lundi à Serge Ngassa. Il est donc le chocolatier camerounais basé en France par le ministre du Commerce et le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana. L'échange s'est déroulé en présence d'autres acteurs de la filière, a donné l'occasion de présenter la valeur ajoutée de la transformation locale sur le prix de vente d'un kilogramme de fèves. Les détails de cette rencontre avec donc Amandine Tangana. Le chocolatier Cocoa Valley veut s'implanter au Cameroun. Son promoteur, Serge Ngassa, a été reçu ce jour à Yaoundé par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana. Il était question pour ce producteur de cacao basé en Haute-Savoie en France de présenter sa marque et de discuter des contours de son implantation dans le pays en juin prochain. On est venu vous présenter la marque Cocoa Valley. La marque Cocoa Valley, donc on a pour objectif de le créer au Cameroun, de le développer dans quelques temps sur le marché camerounais, pour permettre aussi aux Camerounais et à nos collègues agriculteurs de déguster un produit qui sort de nos terroirs avec des notes gustatives qui sont uniques. Le promoteur camerounais entend également contribuer à la création d'emplois au Cameroun en dehors du savoir-faire qu'il apportera aux agriculteurs locaux. Cette vision de Cocoa Valley, de hand en droite ligne de la politique d'import-substitution, encouragée par la stratégie nationale de développement du Cameroun à l'horizon 2030. Le chef de l'État a prescrit, dans le cadre de la stratégie nationale de développement 2020-30, la transformation structurelle de notre économie avec un certain nombre de piliers. L'un des piliers, c'est la politique de l'import-substitution, c'est la valorisation du Made in Cameroun, des produits fabriqués, transformés localement. Je suis heureux de pouvoir dire que notre compatriote s'inscrit dans cette logique-là. Cocoa Valley entend ainsi développer sur le marché camerounais sa stratégie marketing basée sur la conquête du grand public par la dégustation d'un produit issu du terroir. Juste pour signaler que le 12 reçoit aujourd'hui le président de l'Association camerounaise de défense des droits des consommateurs, Moulion Mazou. Il est donc l'invité du 12 heures et c'est dans quelques instants. Juste après ceci, atmosphère délétère hier à Bertois, un mouvement d'humeur des populations du quartier Bonis a gelé le fonctionnement de la carrière orientale de gravier de la localité. Les riverains en colère décrit entre autres le non-respect des termes du cahier de charges par l'exploitant chinois. Les détails avec Johnny Skamga. On a plus peur de la sorcellerie, où on va nous intimider, où vont aller tourner les mamies. Les populations du village Bonis à l'est Cameroun crient leur ras-le-bol. La mine grise, pancarte en main, ils ont formé une ceinture humaine à l'entrée de cette carrière d'exploitation de gravier. À l'origine de leur courroux, le non-respect du cahier de charge par l'entreprise chinoise en charge de l'exploitation. Les premières doléances, c'est d'abord la première source d'eau qui est déjà polluée par la société chinoise. La deuxième doléance, c'est le stade de football et une maison communautaire. Et puis nous réclamons aussi les 1000 francs qui doivent être versés au village partout. Tous nos jeunes du village sont en chômage. Et par jour, en moyenne, 25 camions ancrent. En moyenne. Ils partent parfois 35 camions. Et par camion, les camions, on porte au moins 20 tonnes. Vous voyez que les 1000 francs, si on est le village, pour lever les 1000 francs partout, on devait être loin. Le village devait au moins changer. Rien. Parce qu'il y a une équipe de vautours. Entre les tirs de dynamite, la poussière à l'origine de maladies oculaires et le délabrement des routes et du seul point d'eau du village, les riverains n'en peuvent plus. Face au sous-préfet de Bertois Ier, venu assurer la médiation, le camp des accusés se dédouane. J'ai appris cette information il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours lorsque vous avez fait une doléance. Et j'en ai parlé à mon directeur. On va avoir la confirmation de la part de l'ancien directeur qui est déjà parti pour voir quelle est la gare de l'époque.
Après, on va s'arranger pour résoudre le problème. Lorsque nous quittions les lieux, les populations faisaient toujours le pied de grue à la mine, attendant impatiemment l'implémentation des premières mesures concrètes. Nous avons pris langue avec les Chinois, avec votre... Comme annoncé au cours de cette édition d'information, l'invité de 12h est donc le président de l'Association camerounaise de défense des droits des contribuables. Bonjour Moulion Mazou. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du journal de BNews 1. Merci. Alors, vous êtes donc le président de l'Association camerounaise pour la défense des droits des contribuables. Votre association a saisi le ministre des Finances il n'y a pas longtemps et en même temps le ministre, le directeur général des impôts pour dénoncer un prélèvement abusif des commissions par les banques pour le paiement des impôts. De quoi s'agit-il exactement? Ok, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer parce que c'est une situation qui est très embarrassante parce que, vous savez, depuis quelques années, le ministère des Finances, à travers la direction générale des impôts, s'est lancé dans un chantier de réforme que nous avons apprécié. Et tout récemment, à travers la loi de finances pour les 2021, il était donc question que les entreprises du régime simplifié et du régime du réel, c'est-à-dire ceux qui sont la patente, qui font des déclarations mensuelles, puissent ne puissent plus payer les impôts au guichet des CDI auprès du receveur des impôts, mais plutôt par virement bancaire, ou bien par mobile tax, ou bien au guichet des banques. Alors c'est une réforme qui est saluée parce que ça vient mettre, créer une distance entre le contribuable et les agents des impôts, et aussi les receveurs. C'est cette proximité-là qui n'était pas très bien pour l'éthique, parce que dans le milieu, ça crée beaucoup de choses, beaucoup de corruption. Alors, mais sauf que nous nous rendons compte que la mesure qui a été prise, qui est une bonne mesure, a des problèmes au niveau du mode d'implémentation. Et ça, nous sommes désolés par rapport à cette situation. C'est pour ça que nous avons saisi le ministre des Finances pour lui demander de rectifier le tir. Alors, si vous me permettez, je vais dire concrètement de quoi il s'agit. Alors, il est donc question que, lorsqu'à la fin du mois, un contribuable doit faire sa déclaration mensuelle. Auparavant, ça se faisait au centre des impôts. Vous partez avec une déclaration, un formulaire manuscrit que vous remplissez et le chef de centre valide, le gestionnaire de gestion valide, et vous partez verser de l'argent au niveau du receveur. Maintenant, depuis le 1er janvier 2021, il avait été question que les déclarations mensuelles se fassent en ligne. Ça veut dire que tout le formulaire est rempli en ligne d'une manière électronique. Maintenant, est généré à travers votre page, votre profil, votre compte de la division des impôts, l'avis d'imposition. Avec l'avis d'imposition maintenant, vous avez le choix. Soit effectuer un virement bancaire. À travers votre compte bancaire, vous aurez le virement dans le compte du trésor public. Soit par mobile tax, ou bien vous pouvez aller au guichet de la banque verser l'argent en espèces. Alors, depuis que les réformes ont commencé, ceux du régime du réel faisaient déjà les virements. L'année dernière, dans la ville de Douala et Yaoundé, par exemple, certains chefs de centre ont voulu imposer les versements par virement. Nous nous sommes d'abord opposés. L'association pour défendre le contribuable s'est opposée parce que les virements, ça coûte cher. Il y a en principe un taux qui est prévu pour les virements. Mais les banques, au cours de l'année 2020, qui ont commencé à appliquer ce virement sur instruction de certains chefs CDI, prélevaient de l'argent largement au-dessus de ce qui est prévu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui doit payer un impôt de 10 000 se retrouvait à payer des frais de 6 000 francs pour le virement. Vous vous rendez compte? L'argent du compte du trésor public, c'est 10 000, mais il supporte 6 000 francs pour le virement. Alors cette année, lorsqu'il a été décidé que dans les villes de Yaoundé, Douala principalement, parce que c'est une réforme, et il y a deux villes pilotes, Douala et Yaoundé, où les contribuables doivent faire leurs déclarations et leurs paiements, soit à la banque, soit dans les banques, que ce soit par virement ou guichet. Alors, on s'est rendu compte que les banques commencent à imposer encore des frais, des commissions, lorsque vous parlez de payer au guichet. Alors que les entreprises fuient les virements parce que ça coûte cher. Ils se disent que, bon, si c'est au guichet de la banque,
comme d'habitude, tu pars déposer l'argent dans les comptes, on ne te prend pas de l'argent. Mais on était très surpris que les banques imposent encore des frais, des commissions pour ces paiements-là. Justement, je voudrais comprendre votre dénonciation. La loi des finances 2021 interdit le paiement des impôts taxes en espèces auprès du réseau fiscal, mais prescrit le dit paiement par virement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à partir de ce jeu de mots ? Paiement, on parle de paiement, on prescrit le dit paiement par virement et on l'interdit par en espèces. Oui, je le dis, c'est d'une manière logique. Ça contribue à la sécurisation des recettes de l'État. Vous voyez ? Et ça met également le contribuable en sécurité parce qu'il n'y a plus de contact physique. Quand il y avait le contact physique, qu'on payait à la caisse du receveur des impôts, il y avait trop de corruption. Maintenant, nous saluons la réforme. Ça veut dire quoi? Quand vous avez fait votre télédéclaration, l'application vous génère ce qu'on appelle l'avis d'imposition. Et dans l'avis d'imposition, il y a le montant d'impôt à payer. Vous avez le choix de faire le virement bancaire dans le compte de l'État, ou bien vous pouvez aller avec de l'argent en espèces, déposer au guichet de la banque. Vous voyez? Oui. Sauf que les virements ayant un coût, la majorité des contribuables ont opté pour le dépôt au guichet. Parce qu'on estime que quand tu peux faire un dépôt au guichet, il n'y a pas de prélèvement supplémentaire. Mais sauf que les banques ont imposé un montant. Justement, je voudrais qu'on aborde ce volet des banques. Les banques, vous savez, les banques, je ne vous apprends rien. Les banques, il y a les banques qui sont du registre du parapublic. Ou alors, il y a aussi des banques privées, des microfinances et autres. Maintenant, est-ce qu'au niveau des guichets des impôts, ce mécanisme vous est aussi prélevé? Est-ce qu'on vous prélève quelque chose des frais quand vous déposez votre argent? Vous procédez à un paiement devant le guichet des impôts, les impôts qui sont des organismes de parapublic. Est-ce qu'on vous prélève des impôts à ce niveau? La loi de finances a intérêt à supprimer le paiement auprès du receveur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de guichet des impôts qui existe. Donc ce que vous dénoncez, c'est les pratiques au niveau des banques. Au niveau des banques. Jusque de manière pratique, il n'y a plus de paiement au niveau des impôts. Tout paiement s'est fait au niveau des banques. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent que vous pouvez aller déposer dans un centre des impôts. Alors, cela signifie-t-il que longtemps à l'impôt confiscatoire, selon certains établissements bancaires, la commission prélevée est réglementaire et autorisée par la Direction générale des impôts. Est-ce que cela est justifié? Bon, dans la loi de finances, parce que la loi de finances circule partout, je n'ai vu nulle part dans les réformes où on a précisé, où on a introduit ces commissions-là. Peut-être que j'ai mal exploité la loi de finances, je vais encore l'exploiter. Et peut-être s'il y en a qui nous suivent et qui l'ont vu, peut-être qu'ils nous disent, dans la loi de finances, ce n'est prévu nulle part, ça c'est d'un. Et de deux, ce n'est pas la première réforme. Je vais vous prendre un exemple. Mm-hmm. L'entente entre la direction générale des impôts et ces banques-là, la direction générale des impôts leur a laissé entendre qu'ils pouvaient prélever ce prélèvement-là. C'est que d'abord, nous les contribuables, nous sommes contre. Ça c'est d'un, je vais vous dire. Et de deux, je dis que ce n'est pas la première réforme. Depuis quelques années, les cotisations sociales à CNPS se font dans le guichet. C'est-à-dire, vous le déclarer comme vos impôts, vous partez payer l'argent au guichet. C'est sans frais. Alors, ça veut dire que si la CNPS a réussi à avoir cet arrangement-là avec les banques et que le paiement des cotisations se fait, sans frais, ça veut dire que pour ce qui est des impôts, c'est faisable. Je vais vous dire, hein. D'une manière logique, peut-être que si la DGI l'a fait, c'est que peut-être la DGI n'a pas pris la peine de mieux étudier. L'État perd de l'argent en laissant que les commissions soient payées. Pourquoi? Un contribuable qui doit déclarer son impôt. Nous savons, on dit que l'impôt se déclare sur les chiffres d'affaires, mais nous qui sommes des praticiens sur le terrain, nous savons quelle peine les contribuables camerounais ont à pouvoir faire ces déclarations mensuelles. Lorsque quelqu'un doit faire sa déclaration, parfois vous arrivez chez le contribuable parce que nous nous battons pour qu'ils paient leurs impôts. Quelqu'un te donne l'argent en fonction de ce qu'il a dans sa caisse. Il dit que mon frère, vraiment, le mois, ce n'est que 20 000. Bats-toi pour que je paie l'impôt de 20 000. Lorsqu'il te bat, c'est toi qui remontes à travers 20 000 pour lui sortir son chiffre d'affaires. Parce qu'on le dit, nous les aidons à tenir leur comptabilité, mais la plupart ne tiennent pas normalement la comptabilité. Il se dit vraiment, je n'ai pas d'argent. Fais-moi ma déclaration pour que je paie 20 000. Lorsque quelqu'un te dit qu'il veut payer 20 000, pour lui, il doit payer 20 000 francs l'État. Lorsque dans les 20 000 que vous devez payer à l'État, on doit encore enlever 2350 qui paient. Nous sommes au mois de février. Est-ce que vous n'avez pas observé cela peut-être pendant l'exercice budgétaire de 2020? Vous n'avez pas constaté ces dérapages au niveau des banques? Pourquoi dénoncer maintenant? Quelle est l'opportunité de cette sortie, cette dénonciation? Je le dis.
c'est devenu officiel à travers la loi de finances de 2021. Mais en 2020, il y a eu des essais sur le terrain. C'était un chef de centre des impôts. C'était les journaux, Douala par exemple, Yaoundé. Ils ont essayé de pouvoir imposer ça, aux contribuables. Nous avons saisi le ministre des Finances en juin 2020. Et le directeur général des impôts. J'ai des références, j'ai la déchette de la lettre. Nous avons saisi la direction générale des impôts en juin 2020 en décrivant cette situation. Et quelques tentatives de solutions ont été apportées. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé en 2020 et ce qui s'est passé. Lorsque en 2020, on a commencé à vouloir imposer ces frais-là pendant les virements, qu'est-ce que les contribuables faisaient? Un contribuable peut attendre 2-3 mois, c'est-à-dire le mois s'il déclare rien, il n'a pas de frais à payer. 2 mois déclare rien, 3 mois déclare rien. Le 4e mois déclare, il déclare et fait, il paye le virement en un seul virement. Ça veut dire que sur le plan de la finance publique, l'État a des manques à gagner parce que quand un contribuable qui devait payer ne paye plus, il cumule 3-4 mois pour payer. L'argent qui devait entrer le mois n'entre pas et ça traîne. Ça fait en sorte également que lorsqu'on doit supporter ces frais-là et qu'on décide de déduire ces frais sur l'impôt à payer, l'État perd. Donc d'une manière concrète, ni l'État ni le contribuable ne gagne dans cette opération. Alors vous avez déjà eu à saisir le ministre des Finances une fois, la direction générale des impôts peut-être deux fois. Vous n'avez pas eu de retour. Mais maintenant, qu'est-ce qui a changé entre-temps et quelles sont vos attentes après cette dénonciation du 1er février vis-à-vis du ministère des Finances? Ce que je dénonce, c'est que ce qui me choque, c'est que lorsque j'ai saisi le directeur des impôts... Saisissez le ministre des Finances en tant qu'individu ou bien non, dans le cadre? Non, en tant que promoteur, en tant que... C'est l'association qui saisit. Voilà. Quand je dis je saisis, c'est parce que je suis le président et tout, après toute la décision, c'est moi qui signe la correspondance. Pour dire quand je suis avis que c'est pas le représentant moral des contribuables, de la société des contribuables, donc c'est moi qui signe la correspondance. Quand je dis saisie, c'est pas un institut personnel, c'est pas Moulo Mazou qui saisit le ministre des Finances, c'est pas Moulo Mazou qui saisit le directeur des impôts. Même je peux le saisir en tant que contribuable camerounais, ça je peux le faire, je suis en droit de le saisir même à titre individuel. Mais dans ce cas, lorsqu'on le fait, ce n'est pas la personne qui... Alors maintenant que vous l'avez fait, vous avez saisi le ministre des Finances une fois, peut-être pour rester dans l'actualité, vous avez saisi le ministre des Finances à travers une correspondance hier lundi. Et aujourd'hui, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez concrètement du ministre des Finances? Nous attendons que le ministre des Finances puisse faire en sorte que ces commissions-là soient levées. Les commissions que les banques prélèvent soient levées. Avec un exemple très simple. Je ne sais pas quel contrat la CNPS a passé avec les banques pour que le paiement soit sans frais. Mais je dis, nous sommes dans un même pays. La CNPS est toujours une entreprise de l'État et tout. Si la CNPS a réussi à faire que ces paiements se passent sans frais, alors pourquoi est-ce que la DG ne peut pas faire que les paiements se passent sans frais? Donc, c'est possible, c'est faisable. Et c'est nous demandons au ministère des Finances donc, de voir la situation des contribuables. Je vais vous rappeler, je vais vous dire quelque chose. Le Cameroun, nous sommes en train de sortir d'une pandémie qui a laissé des traces sur le plan économique. Les entreprises camerounaises peinent à pouvoir joindre le debout. Beaucoup de trucs ont été suspendus et les marchés ont été suspendus, donc il n'y a pas d'argent. Les contribuables n'ont pas d'argent. Lorsqu'on vient au moment où les contribuables attendent que l'État finance, les finances, l'État leur apporte des subventions, on vient encore leur réduire tout ce qu'ils ont pour financer les banques. Ce n'est pas au plus petit de financer les banques. Je sais qu'il y a un premier temps. Je vais vous dire, l'une des fonctions des impôts, c'est de poncer les revenus des plus riches pour soutenir les plus pauvres. Mais nous sommes en train de voir l'inverse. Les banques qui ont les moyens, on est en train de demander aux startups, aux TPME, aux TPE de contribuer pour enrichir les banques. Alors que c'est l'inverse. Au Cameroun, nous ne voulons pas les banques financer les PME. Hein. Les banques devraient financer les PME. Pourquoi est-ce que les TPE doivent encore contribuer pour l'enrichissement des banques? C'est un autre débat avec les banques qui ne financent pas les PME. Encore qu'il faut étudier la bancabilité des projets soumis aux banques. Merci, M. Moulium, d'être passé sur BNews 1 dans le cadre de son édition de journal de 12 heures. Merci de l'opportunité, merci à tous les téléspectateurs de BNews. On rappelle que vous êtes donc le président de l'association camerounaise de défense des droits des contribuables. Bon vent à vous. Merci.
Dans la suite du journal, nous parlons du... Les marchés de la casse situés dans la ville de Douala sont des lieux de ravitaillement de plusieurs habitants de la ville portuaire. On y retrouve des objets de toutes sortes, de simples tournevis au réfrigérateur, tout y passe. Flore Diap et Dimité Jules nous entraînent dans l'univers des marchés de récupération de la ville de Douala. Le marché de la casse, encore appelé marché de récupération ou marché noir, prend de l'ampleur dans la ville de Douala et plusieurs ménages semblent satisfaits des services qu'il offre. Nous faisons dans la réparation des foyers, des foyers à gaz, des fours à gaz. Oui, et nous, il y a aussi la vente des clés mécaniques, des pièces de maçonnerie en général. À défaut de vendre, ici, on répare, on achète ou on échange. Donc vous pouvez avoir une pièce à la maison qui ne vous sert plus, que de vous jeter, vous venez nous fournir ça. Donc c'est comme ça comme nous essayons de nous fournir. Donc il y a des techniciens aussi, comme des maçons, qui achètent des matériels. Quand ça ne les sert plus, ils reviennent nous revendre. Donc c'est comme ça, nous faisons un peu un système d'échange. Installé parfois de façon anarchique et sans être inquiété par les autorités compétentes, deux marchés de la casse se sont créés le long des voies, Carrefour Agip, BP Cité. À ce niveau, des pièces de rechange de tout genre, des appareils ménagers, des vêtements et autres objets parfois même introuvables ailleurs se vendent à des prix défiant toute concurrence. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'aventurer dans les boutiques, mais aussi que la casse a des très bonnes choses qui viennent. Vous avez la chance de tomber sur un matériel bien et très original, à vil prix. Même si parfois, ces produits rachetés peuvent être d'origine douteuse. Parfois, il faut être aussi très vigilant. Parce que vous savez, il y a parfois quelqu'un peut aussi aller prendre quelque chose, voler quelque chose, et il vient, vous l'achetez sans connaître. C'est pourquoi il faut être très vigilant et après, ça vous apporte des problèmes. En bon entendeur, salut. Se garer est un problème majeur que rencontrent plusieurs automobilistes de la ville de Douala. Alors que les parkings sont payants dans le premier arrondissement de la ville, Mabel Diap et Dimité Jules ont écouté les plaintes de quelques usagers de la route. Voici le reportage. 100 francs est la somme à débourser pour se garer quelques minutes au quartier administratif de la ville de Douala, Bonandjo, et 500 francs pour toute la journée. Un taux satisfaisant pour plusieurs citoyens véhiculés. Moi, ça ne me cause pas un problème puisque la communauté urbaine a mis les jeunes un peu partout pour le parking. Bon, 100 francs, moi, ça ne me dérange pas de payer 100 francs. Mais le problème d'espace est celui que rencontrent bon nombre de citoyens. Il y a beaucoup de voitures et l'espace est assez restreint en fait. Donc, c'est pas aisé. Pas aisé. Se garer à Bonandjo est la mer à boire parce que je ne sais pas comment la réglementation sur les parkings est gérée ici par la communauté et les communes. Mais nous sommes là, nous essayons de supporter tout ce qui peut en découdre. En plus des parkings restreints, les usagers dénoncent également le problème d'insécurité et d'entretien. Faire les travaux et mettre le paiement de parking automatique, comme en Europe, et plus de sécurité et de la vigilance. Rappelons que le problème de mobilité urbaine est l'un des axes majeurs que la mairie de la ville entend résoudre dans son plan d'action. Et les parkings sont une priorité pour les Doualais. Bientôt la fin du journal, mais avant de partir, voici l'essentiel à retenir. La fureur des flammes embrase un dépôt de planches au quartier Eki à Yaoundé. L'incendie, qui s'est déclaré hier en début de soirée, a causé de nombreux dégâts matériels et aucune perte en vie humaine. L'intervention des sapeurs-pompiers a pu circonscrire les flammes. L'état des lieux au lendemain de cet incendie vous a été livré dans ce journal. Et puis à l'étranger, l'Afrique du Sud reçoit ses premières doses de vaccin contre le coronavirus. La cargaison transportant 1 million de doses du vaccin AstraZeneca s'est posée à Johannesburg le lundi 1er février sous le regard méticuleux du président de la République Cyril Ramaphosa.
C'est donc la fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre préférence et surtout restez fidèles au programme de BNews 1 qui se poursuit. À très bientôt pour une autre tranche d'information. De retrospective cette semaine. BNews 1, l'information continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À Yaoundé, au Cameroun, mais accessible partout dans le monde. Notamment sur YouTube. Reportage, enquête, analyse, décryptage, commentaires. L'information la bonne, regardez.